Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmao33 pour aujourd'hui le 8ème épisode de notre let's play de Animal Crossing New Horizons. Nous sommes au jour numéro 7 de notre aventure, nous sommes portés. Bonjour, bonjour, il est 11h17 en ce beau jeudi 26 mars et c'est Tom Nook qui vous parle. Comme je le disais hier, le bureau des résidents est fermé aujourd'hui pour cause de travaux. Je suis navré pour le désagrément, mais je vous promets que cela en vaut la peine. Un peu de patience. Comme votre perspicacité légendaire vous l'a déjà fait deviner, j'ai fort à faire avec le bureau des résidents. Je vous laisse donc sur ces quelques mots, mais non sans vous souhaiter une excellente journée. Bah, très bien. Merci Tom Nook. Donc voilà, le bureau des résidents est en travaux et demain nous aurons la mairie. C'est confirmé, c'est sûr. Et tous les habitants ont enfin emménagé. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose de ouf aujourd'hui. Peut-être. À voir dans les prochaines minutes et les prochaines heures même. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui du tout. Je me suis déjà changé, hein. J'ai déjà tout préparé, voilà. Le t-shirt brume de Didi. Alors. Oui, comme d'habitude, moult argent. Déposé sur le compte 67 476, très exactement. Mais aujourd'hui, on va faire une petite fortune. Parce que hier j'ai trouvé la fameuse île à Tarentule. Alors je vous mettrai pas d'extrait parce que c'est chiant, on me voit crever toutes les 20 secondes. Carrément. Mais je l'ai fait, je vous montre une photo et tout, voilà, comme ça si vous voulez voir à quoi ça ressemble, le layout de cette île, ben le voilà. Ok. Donc du coup j'en ai chopé plein, on va les revendre juste après. J'ai dû me sacrifier de quelques outils par la même occasion. Alors, AJD, félicitations, voici un petit cadeau pour fêter l'extension de ta maison. Parce que oui, j'ai pu rembourser Tom Nook du coup. Et ça c'est superbe. Et je remercie l'Ariel pour ça, elle m'a filé 11 000 balles que je m'en vais lui rendre tout à l'heure là. Alors. Non, je veux récupérer le cadeau déjà. Après jeter. Nook Inc. Cher Nakmao, j'ai le plaisir de t'apprendre que l'agrandissement de ta charmante demeure est achevé. Par contre, un ou plusieurs objets muraux ont été rangés dans ta remise au cours des travaux. Toutes nos confuses. Ah, je savais pas que ce terme pouvait être utilisé. Je le réutiliserai quelque part. Cordialement, tes amis de Nook Inc. Très bien. Merci Nook Inc. Et enfin, Bébert. Ça va Nakmao ? Nakmao, tu as encore une nouvelle pièce chez toi. C'est trop bien. Ça fait plus de place pour le goûter, hein. Voilà un petit cadeau pour faire un peu de décoration. Goûter, Bébert ? Non, le cadeau. C'est le cadeau. Ok. Ah, Gulliver, j'ai pas vu. Ok, et après, bon. Ça, vous avez l'habitude. Les colis Amazon. Chut, plagiste. Voici un petit cadeau pour te remercier de ton aide. Je suis censé tenir la barre, mais je voulais t'écrire avant d'oublier. Il y a un récif droit devant. Il faut que je te laisse à la prochaine. Avec toute mon affection, Gulliver. Ok. Plagiste. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des fautes dedans, mais j'ai pas l'impression que ce soit fait exprès en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression là. Alors, ça c'est le cadeau de l'AJD. Un marimba. On peut le mettre dehors ça. Un tabouret en velours. Tiens donc. Et le cadeau de Bébert, c'était quoi? Ah non, ça c'est Gulliver. Ah non, c'était celui-là, celui de. Arrête, Kéké. Posters, voilà les posters, ça on va les afficher. Ça comblera un peu les murs qui sont assez vides. Mais du coup, faut remettre. Je pense pas à la limite qu'on remettra les trucs. Je peux porter ça. Alors, regardez, aujourd'hui on est en mode casquette. Voilà, on va se mettre en mode casquette, ça va être bien ça. Ça va être magnifique. Alors pas de changement au niveau de la maison. Ah si, bah si. Cette pièce du coup. Et là du coup peut-être qu'on va placer le tablier là. Voyons voir l'attrait de cette pièce. Est-elle jolie? Est-elle... Ok, c'est comme les autres. Bon, pour l'instant je vais juste foutre l'établi là. Limite on pourra se faire peut-être une petite chambre là. Du coup déplacer ce lit. Ça pourrait être pas mal. Tu sais quoi, on va faire ça.
Par contre, ça va faire vide ici, donc faudra trouver un meuble de remplacement. Je range même le tapis. Le tapis, je pense qu'on va le mettre au milieu. Les toilettes, on va les laisser là. Hein. Ça me paraît pas mal. Et je pense que du coup, je vais plutôt... Ah, je vais plutôt réarranger. Je vais mettre mon lit ici. Alors, vers... Attendez, on va passer en mode manuel parce que là, c'est compliqué ça. Voilà, je veux le placer contre le mur là carrément. Mince. Contre le mur. Ensuite, de mes poches. Ah oui, mais la table en chevet, c'est ça le problème. Non, donc non, plutôt comme ça. Il faudra qu'on trouve peut-être une lampe. Hop, la Nintendo Switch dessus. Et le tapis. Le tapis, je pense qu'on va le mettre au centre du coup. Le centre a l'air d'être là. Oui, ça m'a l'air bien. Ok. Le mini établi, on va le mettre. Je sais pas. Là. Dans un coin. Non. Dans le coin. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les poches? Tac. Un marimba, pourquoi pas? D'accord que. Ouais. On va le mettre pourquoi pas là ici. En plus il est noir, ça s'accorde très très bien. Poster de DJ Keke. Que l'on... Alors non, je veux pas le placer là. Le poster de DJ Keke, je veux qu'on le place... Voilà. Allez, pourquoi pas le poster de Marina. Juste là au-dessus. Ça me paraît pas trop mal ça déjà. On peut jouer du marimba. Voilà, je l'appelle ce morceau Merde en barquette. Et du coup, je pense qu'on peut mettre un radio, un cassettophone, un truc comme ça. Alors, du coup, ça, je vais bouger. Voilà. Histoire que l'on puisse mettre correctement. Hop. Le poster de DJ Keke. Ici. Voilà. Petit poster de DJ Keke. Ah si, il m'a quand même laissé le t-shirt. Bonjour. Bonjour! On va s'occuper à entreposer. Un tableau en velours, ça donne quoi? Ah non, si, c'est mignon. Mais j'en ai pas l'utilité pour l'instant, donc on va peut-être le placer en... dedans. On fait un peu de déco là avant de partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi déjà la musique arrière de Kéké? Ah oui, c'est la musique. J'ai pas d'autres trucs de musique, regardez toutes ces tarentules, elles sont là. Je pense qu'on va pour l'instant prendre l'ampli. Alors j'aimerais bien avoir un petit... Peut-être un petit... Plutôt une petite radio cassette ou ce genre de truc. Je sais pas où je vais foutre ça. On va foutre ça là. Un ampli. Y a pas assez de place, merde. Tac. Voilà. Et là on peut mettre la musique qu'on veut. Ah non, c'est juste de la déco. Ah, je pensais qu'on pouvait mettre de la musique. Ah non, bah non alors. Non, non. Dommage. Panneau de camping, statue Moai. Je sais pas si on va s'en servir ça. Peut-être un peu plus tard. La statue Moai aussi, on pourrait le mettre au début de notre île dès qu'on arrive.
Ok, bon, partons dehors parce que ça fait 10 minutes, il s'est pas passé grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, maintenant que tous les habitants sont arrivés, regardez, ça commence à prendre forme ici. On va peut-être pouvoir aller dire bonjour de façon correcte. Alors, limite, la tête de moi, j'ai bien envie de la foutre là parce que, bon, l'île de Pâques, faudrait un plus gros endroit peut-être. Ouais, mais là, il y a tout. Peut-être de l'autre côté. Pour l'instant, c'est très indécis ce que je fais, hein. Voilà, ne vous en inspirez pas. Parce qu'en plus, c'est énorme. On va faire genre, elle regarde la mer. Voilà. On reste comme ça. On va dire bonjour aux habitants et après, on vendra nos trucs. Petit sac à main. Petit sac à main. Coin-coin, ça va ou quoi? T'as l'air en pleine forme. Je suis en train de bosser mes poses, Tada. C'est une aptitude méga importante pour une star, Tada. Et tu peux pas me l'apprendre, ça, là, cette mimique? Dommage. Hey bébert, comment va? Salut, tout va comme tu veux? Luxine fait pile la bonne taille. On peut se dégourdir les pattes sans risquer de s'épuiser. D'accord. On n'a jamais de message à ce panneau, hein. Depuis le 20 mars, on n'a rien du tout. On a R. En tant qu'il est. Ah, direct. Ok, est-ce que les autres après sont chez eux ou pas? Gertrude a l'air d'être chez elle. Est-ce que tu bricoles? Oui. Qu'est-ce que c'est ce truc qui dépasse? Ah non, c'est la anse. C'est la cicindelle, oui, qu'on lui avait offerte. Tiens, Nakmao, je peux t'aider? Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fais? Tu demandes ce que je fais? Tel que tu me vois, je fabrique un mur lambris fin sombre. Le bricolage, c'est pas pour les feignasses. Il s'agit pas de taffer à moitié, mais ça en vaut la peine. Tu veux essayer de bricoler un mur lambris fin sombre? Je te montre si tu veux. Oui, vas-y. Je veux voir surtout à quoi ça ressemble. Voilà qui fait plaisir à entendre. Tiens, voilà le plan. Au boulot. Ok. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous bricoler. Fabriquer un truc avec ces petites mimines, y'a rien de mieux. Alors attends, parce que déjà, je veux voir à quoi ça ressemble. Ah non, mais il faut que j'apprenne la recette. Hop. Tandis que Gertrude, voilà, très occupée. Alors vas-y, montre-moi. Ah! Si, c'est pas mal ça. C'est pas mal avec la couleur des meubles. Alors j'ai peur que ça fasse du coup trop sombre. Dans les Milesnook, qu'est-ce qu'on a? Ah, parler à des gens. Ok, ça va, arroser des fleurs. Il suffit d'aller sur la place pour ça, hein. On a fait un coin pour exprès. Et salut. Donc ça aussi, ça va être très facile à faire. Alors, où on est jambon? Et du coup, je suppose, mais je suis pas sûr que Marine se balade. Est-ce qu'il y a chez du jambon? Non. Ok, ben va falloir le trouver. Je sais pas où il est. Et on va voir de l'autre côté du coup. Ah ben si, il est là. Salut mon bon. À tous les coups, ces frossards de poisson ont peur de se confronter à mes muscles en fait, tout est bon. Ouais, mais sinon, tu veux pas venir me parler et me dire waouh, c'est exceptionnel ce qu'on vit aujourd'hui, t'as vu? T'as vu? Ouais, faut que je rachète beaucoup de choses du coup à la boutique Méli-Mélo. Il faut que je rachète une échelle, une perche et un lance-pierre. Parce que bon, le mien a pété. Ce qui est très triste. Est-ce que Marine est chez elle? Ça n'a pas l'air vu qu'il n'y a pas de fumée dans sa cheminée. Attendez, autre fossile, c'est important les fossiles, hein. Il ne faut pas les négliger. Hop. Mais ouais, du coup on va se retrouver avec plus de 200 000 balles sur le compte. C'est génial. Ouais, elle est sortie, c'est ça. Il y en a un là aussi. Purée, c'est la folie. Voilà, aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais l'idée va peut-être se dessiner. Mais Bébert est déjà chez lui. Mais j'ai l'impression que les villageois se TP par contre. Ça me trigger.
Est-ce qu'il a du nouveau dans sa maison? Est-ce qu'il fait des choses intéressantes? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses nouvelles. Bonjour, ça me fait plaisir d'avoir la visite de bon matin, Plumeau. Enzabu qui est venu nous rendre visite l'autre jour, tu sais comment on l'appelle chez lui? Arrivant originel. Quand tu entends ça, ça te donne une petite idée du personnage. Et de quoi il est capable. Oui, d'accord. D'ailleurs, c'est quoi le titre de base qu'on a sur le passeport? Je me souviens plus. Ok, bon, donc si Marina est sortie, il manque plus qu'elle a trouvé. Hein. Hop. Bon, je ramasse des petits insectes là. De toute façon, faut voir quel est l'article phare du jour. Et là, c'est la tarentule. Et là, c'est exceptionnel. On se fait un paquet de thunes. Ça va être sensationnel. Alors, c'est quoi? Une cruche en terre. La cruche en terre. Alors, faudrait voir. Hier, c'est vrai qu'on s'est fait beaucoup avoir avec cette histoire de feu de camp. Mais la cruche en terre, c'est facile à faire. C'est 5 d'argile. Et ça se trouve, ça vaut masse boulasse. Alors, bonjour. Ah oui, il me reste aussi un ticket d'île mystère. Donc peut-être qu'on va trouver un truc sympathique. Expertiser des fossiles. Alors. Tiens, prends ça. Bien sûr, n'envoyons pas de fossiles dans la galaxie, vous serez malheureux. Alors. Oui. Oui. D'accord. Faire une donation maintenant. Et là il y en a un. Ah non, il y en a deux. Ok. Donc un qui n'a pas été utilisé. Très bien. Non, c'est bon, merci. Merci Thibaut de votre expertise d'expert. Oui, sinon on n'appellerait pas ça une expertise, vous me direz. Ok, très bien. Donc on va voir un peu ce que la boutique Nook a à proposer aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Ah, un petit flamant rose. Et un fax. Un petit coussin, ma foi, très sympathique. Putain, sur le sable, ce serait parfait. Tu le fais combien ton navet, histoire qu'on regarde bien la décision d'hier? Donc 152, c'est un peu baissé, donc je pense qu'on a quand même vendu au bon moment. Non, c'est bon. Quoique si, attends. Achète-moi, et après on va racheter des trucs. Je prendrai pas le fax, même s'il me fait très envie. Ça, on l'avait déjà tout donné à Thibaut. À 6000 balles. On va prendre le petit. Ah, attendez, les miles Nook, très important. Ne pas les négliger. Ok. Donc, on va prendre la cagette de pommes. Voilà. 120 clochettes en plus. Ok. Et je pense qu'on va les placer devant les pommiers. Ça pourrait être bien. Monsieur Flamingo. Oui, 3000 balles. Hop. Et je vais prendre le petit coussin aussi. Pousse-toi. Un zabouton. Alors, 500 clochettes, c'est bon. Merci. Et ça, on va les placer. Mais de rien. Alors, la cagette à pommes. Bon. Ça, j'ai dit, on allait la placer. Histoire d'avoir un petit peu de cohérence. Je sais pas s'il y a des cagettes de cerises ou des trucs comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse un verger avec des cerisiers. Enfin, un truc bien correct à un moment où on a tout. Je crois que les pommes sont au centre, si je me souviens bien. Donc on va foutre la cagette ici. D'ailleurs, en parlant de boîte en carton, en lançant le jeu, il y a une mise à jour. Donc on est sur la mise à jour 1.1.1 qui corrige des gros bugs et notamment les bugs de duplication d'objets qui existaient.
Donc je peux vous en parler, mais maintenant, étant donné que ça n'existe plus. En fait, le bug, c'était que vous placez un objet de valeur sur une boîte en carton, et il faut que vous soyez deux joueurs. Il faut qu'il y ait un joueur qui tourne la boîte en carton, et l'autre joueur qui récupère l'objet de valeur en question pendant que la boîte tourne. Donc c'est très précis à faire et ça peut rapporter gros. J'aimerais bien qu'on place genre notre monsieur Flamingo ici. Parce qu'il y a des petits flammes en rose. Alors pas le Zabuton. Le Zabuton peut-être le placer dehors. Regardez, regardez. Si, n'est-il pas magnifique? Ah, est-ce qu'on peut le... Attendez, question. Est-ce qu'on peut le poser sur le caillou qui est tout au bout là-bas? Ah, bouteille à la mer au passage. Ça va empêcher les Ligies de spawn peut-être, mais... Ou alors on le met juste là. Coucou à toi, qui que tu sois. Ce plan de bricolage est apparu dans mon esprit pendant que j'attendais que ma pizza cuise. Du coup, je me suis dit que je pourrais aussi bien le transmettre. C'est pas compliqué à faire. Bon bricolage, bigoudi. Un bantron, mais on l'a déjà ça. Putain, bigoudi, vraiment, vraiment, bigoudi. Honteux ce que tu fais. Je pense qu'on va le mettre là. Du coup, on ira le revendre à Amélie Mello, ce plan de bricolage. Ah oui, j'ai pas vu ce qu'il avait dans son étagère. Bravo, bravo Nek, bravo, bravo de penser à tout. Bah ouais, bah écoutez, c'est difficile hein, de se concentrer, de commenter en même temps, de dire de la merde, vous savez, hein, c'est un travail de professionnel. Voilà, il y a des gens qui pensent que je débute dans le métier, hein. Enfin, métier. C'est pas mon métier, hein. Moi c'est une passion, c'est tout. Ils disent, oh là là, t'es nouveau, permets-moi de te donner des conseils. Ah, mais ce qu'ils savent pas, hein, c'est qu'on est là depuis le 4 juin 2012. Donc ça fait 8 ans cette année. Déjà. Je vais aller rechoper toutes les tarentules là. Le Zabuton, je sais pas où on va le placer. Quoique on peut. Alors, quoique. Parce que la maison de jambon fait quand même un peu style japonais. À l'extérieur, j'entends, hein. Ça fait un peu nippon. Donc on pourrait le placer là à côté. Ce serait pas déconnant, je pense. Allez. City pas beau. On va le placer là pour l'instant. Ok. Et le plan de bricolage, on va aller le vendre après. À 8000 clochettes l'unité, ça fait quand même un beau pécule de 192 000 clochettes. Ce qui est pas dégueu. Alors j'aurais préféré du coup qu'on ait cet îlot Tarentule un jour avant. Parce que bon. Comment vous dire qu'on aurait pu rembourser le prêt de Tom Nook un peu plus facilement. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce qui est fait est fait. Hop, il reste encore une Tarentule. Et maintenant on a 320 de stockage dans l'entrepôt. Ce qui est beaucoup quand même, hein. Étant donné qu'on n'en utilise pas beaucoup, c'est quand même assez stylé. Hop là. Ah bah non, j'ai pas de place. Bah oui. Faudrait qu'on trouve Marina aussi, j'ai pas vu encore. Histoire de voir ce qu'elle pense de la vie ici. Après tout, son avis nous intéresse beaucoup. Alors. Salut. Ah, je veux vendre moult choses. Dont ce petit plan foireux. Qui va coûter genre 50 clochettes. Toute façon, on va le voir. Hein. Ça fait 192 000. Normalement. Toutes les tarentules. Voilà, donc ça vaut 200 balles, c'est bien ça. Merci beaucoup. Je vais mettre l'excédent de clochette en sac, ça sera plus facile à transporter. Ah, parce que là, du coup, nous avons ouais, quasi 200 000 balles. On a 196 394. Ce qui est pas dégueu, je pense qu'on peut atteindre la barre des 200 000 aujourd'hui. Ok. Alors. Donc ça, on a déjà un beau petit pécule. Je vais peut-être prendre mon arrosoir et arroser les plantes là.
histoire qu'elle soit en pleine croissance. Bon, du coup, je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Il me reste un ticket mystère, donc peut-être déjà l'utiliser, être déçu, et après on verra, on va peut-être bricoler des petites choses. C'est pas ce que je veux faire. Je voulais faire quoi? Eh bien, je sais plus. Figurez-vous, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut laisser notre argent? Est-ce qu'on peut l'entreposer? Non, pas du tout, il est obligé de rester là. Oui, je voulais prendre l'arrosoir. Donc on va avoir un poids mort dans les bras, mais bon, c'est pas grave. Arrosoir. J'ai récolté un peu de bois du coup sur les différentes îles que j'ai visitées hier parce que j'ai acheté 4 tickets de Nook. Bon, 3 et, ben non, 2 étaient pourris. Et la troisième, c'était la fameuse île aux Tarentules. Donc peut-être que la quatrième, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on a un arbre à clochette à récupérer aussi. Il y a un arbre à clochette de l'autre côté de la ville. Il faut que je rachète tout. Ah là là, le gars il se fait des plannings. Il se fait une feuille dans laquelle il écrit des trucs pour se rappeler ce qu'il doit faire. Et au final, il suit même pas la feuille. Vous vous rendez compte? C'est intolérable cette organisation. Je sais pas qui fait ça, mais bordel. C'est honteux! Merci René Malville. Ah ben elle est là, Marina. Yes, attends, d'abord les Nook Miles. C'est important. Bon, il manque vendre des fruits, ouvrir la penderie, changer de look. C'est vrai qu'on aurait pu le faire pour mettre cette merveilleuse casquette Twitter. Elle est où, Marina? Elle est là. Nekmao! Comment vas-tu par cette belle matinée, Nekmao? Burp. Ça y est, je suis installé comme il se doit. Je vais enfin avoir le temps de rencontrer mes voisins. Au fait, c'était super gentil à toi de me venir me souhaiter la bienvenue le jour de mon emménagement. Oh, avant que j'oublie. À la base, si je voulais te parler, c'était pour te donner un petit cadeau. J'espère qu'il marquera le début d'une belle amitié. C'est hyper à la mode chez moi. Une lampe de table. Yes! Oui, petite lampe. Mais c'est ici, maintenant, chez moi. Il faut que je m'entraîne à le dire. À plus tard. Yes, merci pour la lampe. Hop, j'ouvre le cadeau tout de suite. À quoi elle ressemble? Ouais, ok, c'est exactement ce à quoi j'avais en tête. Alors, je sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut personnaliser les trucs qui ne sont pas craftables? C'est une bonne question. Je sais pas si on peut. Non, je veux pas arroser ça. Après, on peut retourner les fleurs là. Faut que j'achète les trucs chez les petits potes. Ah, si, je peux. Il y a les. Oh! Oh! Alors, je pense qu'on va le laisser en noir du coup. D'accord, mais on peut mettre des motifs. Ah, ça c'est très typiquement. Tu vois, si tu veux mettre ça dans une chambre d'enfant, c'est parfait. Elle est très stylée comme ça, hein. En plan lierre. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Moi, je trouve ça très 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 stylé. Bon, donc ça, on peut le. Mais attends, l'arrosoir aussi, du coup? Attends. Ah oui, on peut choisir la couleur. D'accord. Ok. Je présume qu'on peut faire ça avec tout. Ça, c'est pas mal. Ça, je savais pas. Je découvre. Je découvre un truc. Non, je voulais arroser les plantes là. Alors qui sont très chiantes à arroser parce que, bon, bah forcément. Je crois qu'on arrose dans un rayon de 3 par 3, non? Je sais pas comment on arrose efficacement. Ah là là, ces petits bruits de frapperie là, avec le vent. C'est d'une beauté sans nom. J'espère que je les arrose bien toutes. Étant donné qu'on voit pas très très bien ce qu'on arrose ou pas. Même s'il y a des petites étoiles, hein. Mais on voit pas précisément lesquelles on arrose, lesquelles on n'arrose pas. Donc j'essaie de faire un maximum. C'est pas forcément évident.
Ah bah voilà, bah surtout que ça pète. Bah génial. Ok. Donc ça c'est bon. Je veux... alors bon, attends, avant déjà, avant d'oublier. On va réacheter tout ce dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire... Ah, il y a un ballon. Justement, je peux pas l'avoir. J'ai pas de lance-pierre, justement, c'est pour ça qu'on va en racheter. Est-ce que tu as peut-être des nouveaux crafts? Est-ce que tu as ça? Pas du tout. C'est toujours les mêmes. Donc, on a dit le lance-pierre. Et le reste, perche-échelle, ça se refait facilement, ça. Mais il fallait au moins recrafter ça. C'est quoi pour la perche et les échelles? C'est que du bois, normalement. L'échelle, c'est 4 bois de chaque. Soft, donc tendre, dur et normal. Mais la perche, je ne me souviens plus. C'est 5 bois tendres. Okay. De toute façon, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est clair que niveau matériaux, on n'en manque pas. Parce que même le bois classique, j'en ai récupéré pas mal. Du coup, on va peut-être récupérer aussi des kits de personnalisation parce que là, on va faire des meubles. Genre là, le côté droit, là ici, il est vide maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus rien. Donc, je vais prendre les morceaux de bois. Vous voyez, j'en ai 27. Ça devrait le faire. Ah oui, les kits de personnalisation aussi, je pense qu'on va vider carrément toute notre argile pour faire moult pots en terre. Enfin, au moins on va en faire un pour voir si ça vaut cher. Parce que j'en sais rien en fait. Alors. Oui. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, tiens. On va faire nos outils. Puis après on va faire la cruche. Alors, la perche. Déjà dans un premier temps. Ensuite, l'échelle. On peut les personnaliser, ça d'ailleurs. L'échelle est là. Je sais pas. Bricoler autre chose. Et. Hop, je vais dans l'onglet réalisable directement parce que c'est plus pratique. C'est ça? Non, pour cruche en terre, c'est ça qu'il faut. C'est bien 5 argiles. Ah non, c'est 4 en plus. Encore mieux. Alors, fais voir la cruche en terre. Ce que ça rapporte. Arrêtez pour l'instant. La réponse immédiatement. Allez, cours Michel, cours. Tu peux le faire. Voilà. Et là... L'heure de vérité. Alors, achète-moi un truc. Le petit pot en terre. La cruche en terre. Normalement, c'est ça l'article phare. Hein. Ah oui! Ah, c'est pas dégueu, 1600 balles. Hein. C'est mieux que les 60 de l'autre fois. D'hier, avec le feu de camp. Putain, limite, on pourrait s'en mettre plein les fouilles en faisant que ça. Limite, j'ai envie de faire ça, tu vois. Alors, ça c'est fait. On peut pas dépenser des Nook Miles aujourd'hui. Top Grignon, ça c'est facile à choper. Faut qu'on aille récupérer, voilà, maintenant qu'on a la perche. L'arbre à clochette. Alors, si je me souviens bien, il est de l'autre côté. Par là. Yes. C'est bien ça. Ah là là, cet argent incroyable. 227 000. Ok, donc la cruche rapporte beaucoup. Donc limite, on peut faire que de ça, les revendre. Et on va vivre un moment superbe. Ok, je veux juste voir si on peut personnaliser. Après. Non. Alors, déjà, on va prendre au travail. Qu'est-ce que l'on peut faire de fantastique? On peut faire
Je pense pas qu'on va refaire une table. Je pense qu'on va faire ça et mettre la lampe dessus. Hop, table de chevet en bois. Et on va personnaliser des trucs. Déjà, on arrête. Hop, et on personnalise. Je veux et j'exige. D'accord. Déjà la lampe de table, ouais. On va commencer par ça. On va tenter en noir, voir ce que ça donne. Histoire de rester dans le thème quand même. Et le meuble. Pareil. En noir. Parce que je les trouve quand même très stylés ces meubles en noir. Ça fait très. Très meuble chicos. Bon. Même si c'est pas. Même si c'est pas très très ouf. Mais au moins c'est déjà ça. Alors. Je veux juste voir ce que ça fait. J'éteins la lumière. Parce que bon, on peut mettre une lumière très vive. Hein. La nuit, à mon avis, on doit pas voir grand chose. Alors, placer. Ça d'ailleurs, tu peux les grouper, Jean-Claude. Et mettre la lampe dessus. C'est pas mal, hein? J'aime bien, ça fait un côté très, très design. Alors, on va peut-être du coup le décaler parce que à la fenêtre, bon, c'est peut-être pas forcément ouf. Encore un coup. Mais j'ai peur que ça gêne là. Ou sinon, carrément, on le tourne. Et on le met derrière. Voilà. On le met à côté. Je sais pas. Alors attends, je vais remplir cet objectif là, donc changer. Changer de vêtements. Vu qu'on a des trucs sympathiques, quand même. Cette veste, hein, on la portera demain. On va juste enlever la casquette pour faire genre. Et on va remettre une fleur. Voilà, comme ça il va être content. Hop. Ah oui, deux trucs en même temps. Allez hop, comme ça, boum. On va rééconomiser des Nook Miles. Hein. Parler à vos villageois. Ok, faire du bricolage. Ne vous inquiétez pas, on va crafter moult pots en terre. Et ça va nous rapporter masse thunes. Et ça va être génial. Bon, parlons aux habitants du coup. Puisqu'ils ont l'air d'y tenir. Il n'y a plus Bébert ici déjà. Où est-ce qu'ils peuvent être? Ben non, Bébert techniquement est chez lui. On va aller reparler à Gertrude. Et peut-être que en chemin nous croiserons moult personnes. J'ai pas entendu des bruits de pas par là? Non, je crois que je rêve. J'entends des gens. Alors, est-ce que tu vas me dire quelque chose d'intéressant, cher Gertrude? Ou tu vas t'en battre au royal des couilles? Bonjour. Reste aussi longtemps que tu veux, ça me dérange pas du tout. Fais comme si j'étais pas là. À quoi ça te ferait plaisir? Ah ouais, bah non. Tu veux du bois? Quel cadeau de merde. Hein? Du coup, t'as que dalle pour ma pomme en fait. Alors, on papote? Pas facile de faire mieux que la table bloc de bois pour empiler le courrier en retard. D'accord. Je vais peut-être te fabriquer un truc, non? Comme ça, tu seras contente. Par contre, je sais pas ce qui irait bien dans ta déco. Vu que toi, ça reste très 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 enfantin et j'ai pas l'impression d'avoir des trucs enfantins, moi. On pourrait peut-être, on pourrait faire un petit jeu de lancer d'anneaux. Mais parce que j'ai des trucs enfantins, j'ai pas l'impression. Hein. Ah, c'est ça que je cherchais. Petite bibliothèque et mettre les livres dessus. Il faut un jeu bloc de bois. Mais c'est craftable. Ah, on peut s'occuper de ça. On va faire ça. Tiens, jambon, je t'ai vu.
Tu voulais te cacher, mais raté. Ça va, tout est bon? Parle-moi. T'as eu l'occasion de voir Didi l'autre jour? Il paraît qu'il a fait la traversée depuis Lunodeus en kayak. Alors ça, c'est un sacré ami. Non, moi je l'ai vu descendre de l'avion. Alors Didi qui est venu en même temps que Zaki avant-hier soir, du coup. On n'a rien fait d'exceptionnel, donc je vous montre pas d'extrait, mais Didi, bien sûr, vous l'avez vu dans ce fameux épisode 3, la deuxième partie de l'épisode 3, où je vais chez les Ariel. Je voulais faire des petits bois, des petits morceaux de bois, pour faire une bibliothèque. Et pouvoir peut-être mettre les livres dessus. Alors, au travail. Donc, pour ça, faut fabriquer un jeu bloc de bois. Et ça va ouvrir moult possibilités. Peut-être qu'au final, on peut les customiser pour faire genre ces trucs pour enfants. Alors, on va voir, tiens. Et au pire, on offrira ça à Gertrude. Why not? Alors, une bibliothèque botte de bois, pour l'instant, stop. Et on va personnaliser, voir si on peut faire quelque chose avec. Alors, bois naturel, bois mélangé, coloré. Ouais, c'est ça qu'elle a. Pastel, couleur vive. Ah ouais, alors en plus, il n'y a pas de noir. On peut faire bois mélangé. Ça peut être très très stylé pour ce qu'on veut faire dans la maison. On va peut-être faire ça. Et je vais en faire un autre pour Gertrude et lui donner. Why not? Elle sera peut-être contente. Elle m'offrira peut-être un truc en retour exceptionnel. Hop. Donc je vais faire la même chose. Non, alors déjà non, je vais le poser. Parce que si jamais je me loupe et que je lui donne le mauvais, je vais avoir mal, très mal. Voilà. Et par contre, je pense que rien de mieux qu'une bibliothèque à côté d'une fenêtre. Alors ça va être à côté des chiottes, mais... Si, regardez, ça rend pas trop mal. Ça se marie bien avec le mur. Parce qu'on a la même latte de bois sur le bas que sur le côté. Et du coup, c'est très stylé. Alors, est-ce que, du coup, on peut placer les livres au-dessus? Je sais pas si le serre-livre, on peut le personnaliser pour faire en sorte de changer la couleur des livres et que ça se marie bien. Parce que on a vu qu'il y avait du rose. Mais je veux pas de rose. Bon, après, le rose, c'est pas dérangeant, bien sûr. Hein. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut changer la couleur? Pas du tout. Mince. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est dommage. Je sais pas s'il y a plusieurs couleurs de serre-livre possibles qui existeraient. Et puis, je sais pas surtout si on peut le mettre au-dessus. Suspense. On peut placer au-dessus. Alors, c'est pas ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Donc, tant pis. Je vais le laisser comme ça. On peut peut-être mettre un petit truc dessus, par contre. Ça, entreposer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Alors, qu'il soit bien. Est-ce qu'on mettrait pas cette petite figurine? Parce qu'au final... Ou l'ocarina? Vas-y. Voyons voir ce que ça donne si on met l'ocarina dessus. Je veux pas l'équiper, je voulais le poser. Ranger. Non mais oui, mais du coup tu te places pas au bon endroit. Est-ce que je peux le placer? Ah, ça se place pas dessus. Attendez, on va essayer avec le mode comme ça. Ah non, je peux pas. Ah, dommage. Dommage, je suis déçu. Bah tant pis. Non, comment je le range? Y. C'est dommage. Ça me semblait être une bonne idée. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas voulu. Alors, on va refaire la même chose. Il me faudra peut-être du bois. J'en reprends au cas où. Pour Gertrude. Leur donner des cadeaux quand même. À un moment, on va falloir arrêter de la jouer perso. Hein? Et d'offrir des cadeaux aux gens. Ça me semble être pas mal. Alors. Au travail. Donc refaisons ce qu'on sait faire de bien. Le jeu bloc de bois. Et du coup, limite, on peut faire la stéréo aussi. Donc du coup, on va refaire un deuxième jeu de bois.
Y a la stéréo qu'on pourra mettre dans la chambre. Eh oui. Bricoler autre chose. Donc du coup, en 1. Ah, mais il faut quoi pour ça? Ah, faut des pépites de fer, très bien. Hop. Je vais en chercher. Hop là. Arrêtez pour l'instant. Je vais aller chercher du fer. Oui, on ira voir les Nookmels après. Pour l'instant, là, on est en pleine fabrication. Voilà, travaux manuels aujourd'hui. Alors, le fer. Là aussi, on en a pas mal. Hein. Vraiment, là, niveau ressources qu'on a besoin, on est pas mal du tout. Hein. On est même plutôt très très bien. Alors, ça, du coup, maintenant, je peux faire. Voilà, la hi-fi. Voilà. On arrête tout. On personnalise. Et là maintenant, donc je vais personnaliser d'abord la hi-fi pour moi. Ben, bois mélangé, je trouve que c'est pas. Non, elle a de la pastel dans sa maison. J'ai un doute. Je crois qu'elle a de la pastel. On va aller revérifier. Hop. Arrêtez pour l'instant. Il me semble qu'elle a de la pastel. Mince, faut pas que je cours. Mes pauvres fleurs, elles vont jamais s'en remettre sinon. Déjà que je les arrose pas. Alors si en plus... Bah, je fais de la merde. Ouais, elle est couleur pastel. Attends. Est-ce qu'elle a une bibliothèque? Parce que du coup, si... Si on en a une, moi je vais être deg. Je vais être très très deg. Parce que j'ai l'impression qu'elle a tout. Au pire, une deuxième, hein, ça lui fera pas de mal. Non, elle en a pas. Elle en a pas. Ok, je sais pas où elle va le foutre. Mais elle en a pas. Ça me rassure. C'est bien ce que je voulais revérifier. Ça me semble bien. Pardon, Jean, excuse-moi. Mais bon, t'es un peu dans la forêt. La forêt aux fruits là. Alors, personnaliser la bibliothèque en mode pastel, voilà. Je trouve ça très moche personnellement, mais voilà. Hein, vous savez ce qu'on dit, hein. Jean moche, meuble moche. Hein. Bon, on dit pas ça, mais pour Gertrude, ça colle assez bien. Allez hop, voilà ton petit cadeau. Après, on va poser chez Wama. On va voir si d'autres personnes, par le plus grand des hasards, sont revenues chez eux. Tu fais quoi ici? Non, je te taquine. Tu peux te pointer chez moi autant que tu veux. Tiens, ça te fait plaisir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je veux voir. Tiens, bibliothèque. Pour t'instruire, t'en as besoin. Une bibliothèque bloc de bois? Je le crois pas. Merci, il n'y a pas de arnaque, tu sais comment me faire plaisir. Bon, maintenant, il suffit de voir ta déco, c'est pas compliqué. Hein. Alors, s'agit pas de se gourer. Si je déplace celui du ici et l'autre machin là, ouais, ça peut le faire. C'est gênant de recevoir des trucs, hein. Tiens, 936 clochettes, comme ça on est quitte. Genre là, elle a pas placé. Alors attends, si je pars et que je reviens, est-ce que ça fait comme dans les anciens Animal Crossing? Et dans ce cas-là, elle a déjà placé? Bon, elle va me faire la gueule parce qu'elle va dire, mais putain, mais c'est qui ce con qui rentre, qui sort à longueur de journée, et là en plus il me parle pas, il est là pour inspecter chaque recoin de ma maison, c'est intolérable. Non, elle a pas placé. Ok, donc c'est assez réaliste dans le sens où je pense qu'elle a pas placé parce que du coup elle est en train de construire. Ouais, voilà, elle se pose la question, mais qu'est-ce qu'il branle? Bien, écoutez madame, je branle ce que je veux. Vous n'êtes pas ici pour juger. Moi je vous juge pas, enfin si, mais vous ne le savez pas. S'il vous plaît, respectez-vous. Bon, ça c'est fait. Mais du coup on peut faire des meubles pour la cuisine aussi, parce que bon cette cuisine, c'est pas qu'elle est vide, hein, mais elle est vide hein, quand même. Il n'y a rien du tout. Alors, du coup, je veux placer ici le bloc fil bois. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique?
Keke Academy, ça me semble bien. J'ai Keke ici, ça va être... On va mettre la musique à fond. Voilà. Ah oui, mais attends. Si je mets aléatoire, c'est aléatoire à chaque fois? Ah mais non, c'est bon, je crois que la musique s'était coupée. Ah bah attendez. Voilà, c'est ce que je disais l'autre fois. S'il n'y a pas le bouton aléatoire, c'est nul. Mets-le maintenant. Pourquoi t'as coupé la radio? Ah non, c'est juste que le son ne voulait pas. Très bien. Bon, faisons un point cuisine. Parce que on sait bien que le cœur de la maison, c'est la cuisine. Et que la cuisine, c'est nous. Et Schmitt. Je pense que pour la cuisine, on va rester sur du bois clair. Mais j'aimerais bien une table longue. Histoire de faire plan de travail. Bon. En ce moment, on entend la musique technopop, kéké. Dommage, j'en entends pas beaucoup la radio. C'est dommage. Je sais pas si on peut lui monter le son. Bon. J'aimerais bien qu'on ait une télé aussi à mettre dans le salon, parce que là, c'est vrai que sans télé, je sais pas si ça se débloque tout de suite, ou si, bon, comme tous les autres meubles, c'est à la fin. Je trouve quand même qu'elle a de la gueule, notre pièce, hein. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Si, je veux quand même aller voir les papiers peints que Mélie et Mélo vendent. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir ça, on n'a pas pensé. Et après, je pense que perso, je vais farmer moult argent avec ces histoires de pots en terre. Ah oui, les Nookmans. Attendez, parce que sinon, tout va exploser et ça va être génial. Faudra finir de parler aux habitants. Attraper des insectes, c'est bon. Bricolage de meubles. Voici un marché où tout le monde est gagnant, regagnant et re-regagnant. Tu bricoles des meubles, gagnant. Tu en profites chez toi, regagnant. Et tu gagnes des miles, re-regagnant. Ok, artisan prometteur. Ok, et rien d'autre? Ok, très bien. Alors, Méli Mélo, quel type de choses vous avez à vendre? Est-ce que vous avez des choses bien? Alors, j'espère que oui, parce que j'aimerais quand même voilà, qu'on personnalise un peu les sols et les murs. Parce que bon, pour l'instant, on est pas trop là-dedans, quoi. Alors, papier peint. Qu'est-ce qu'on a? Mur carrelage monochrome, mur rayure gris. Ah ça, regardez, pour la cuisine, ça peut être pas mal ça. Carrelage diagonal brun ou sol brique blanche. Tu mets pas un sol en brique dans une cuisine. Sol puzzle rétro, sol marqueterie brun foncé. Ah, j'ai envie de prendre plusieurs choses. J'ai envie de prendre ça. Là, on va faire un petit peu de... Non, mince, non, 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 reviens. On est là pour tester aussi, hein. Mais j'ai quand même envie de rester dans des teintes un peu blanches. Alors, voyons voir. Je pense que le mur en carrelage, on va le mettre dans... Non, 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 non. Le mur en carrelage, on va le mettre dans la cuisine. Ça, je veux tenter. Le carrelage diagonal dans la cuisine. Avec le mur. Et peut-être... J'hésite entre ça et ça. Au pire, on prend les deux, on va regarder. Voilà. Toute façon, on a de la thune, hein. C'est pas comme si on était pauvre à ce niveau-là. Et on va voir s'il y a des trucs qui nous conviennent ou non. Donc aujourd'hui, on va faire de la déco, hein, vu que bon, Tom Nook, hein, est en train de construire la mairie. Alors, tac. Ah, du coup, va falloir commencer à vérifier si on peut mettre le mobile sur le mur. Alors, ça ici, je trouve que déjà l'ensemble est très bien tel quel. Mur, papier peint. Moi, ici, ça me va. C'est surtout là. Où je vois. Ah ouais, mais on a déjà un truc en carrelage. Oh là là, ça fait très. Alors sur le sol. On a dit ça.
Ah. Alors le mur est pas ouf. Non, c'est très moche. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Le carrelage me paraît bien ici dans la cuisine. N'hésitez pas bien sûr à me dire hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Vu que je suis pas très la déco, voilà, c'est pas trop mon fort. J'essaie de faire des trucs sympathiques. Alors ici, on va voir. Si on met le mur gris et ça. Alors, autant le sol j'aime bien, mais j'ai un problème avec cette tapisserie. Bizarrement, je trouve que la tapisserie est bien en termes de trucs, mais je sais pas s'il est facilement plaçable. Le sol j'aime beaucoup. Limite, le sol on pourrait le mettre dans le salon là. Le sol, celui-là, on pourrait le mettre dans le salon. Et celui qu'on a dans le salon, le mettre là-bas. Ça me paraît pas trop mal. Alors, on va tester. Voilà, ça rend bien avec le reste des meubles. Je sais pas ce que vous en pensez. Entre ça. Et remettons. Quoique, l'objectif, c'est quand même d'avoir plusieurs types de bois. Non, on va rester sur ça et repartir sur l'idée de base qu'on avait de mettre le noir en bas. Ouais, c'est bien aléatoire, ok. Non, je pense qu'on va laisser comme ça jusqu'à temps de trouver un meilleur mur. Parce que qu'est-ce qu'on avait d'autre? Mur carrelage monochrome. Voilà, dans une chambre c'est moche. Je préfère limite ça, tu vois, que les rayures. Ça, on peut l'entreposer. Je vais plus en avoir besoin. Ça non plus. J'en profite pour faire du rangement là, un peu. Et le seul puzzle rétro, qu'est-ce que ça donne? C'est pas moche non plus. Je préfère quand même celui-là. Donc celui-là, on va peut-être le garder pour notre pièce ou un autre truc comme ça. Les lattes sapin, on n'en a pas déjà d'ailleurs dans l'entrepôt. Je crois que si, ici. Ouais. Donc ça, on va pouvoir le revendre. Et le seul mosaïque blanche. Elle était bien. Je vais le garder. Ça à vendre. Parce que bon, je pensais que ça allait être bien et au final, c'est pas si bien que ça. Et là, chers amis, bah écoutez, je pense qu'on est pas trop mal. Je vais faire moult pots en terre histoire de gagner masse d'argent. Et du coup, on se retrouve un peu plus tard. Ok, bon, de retour après quelques minutes, j'ai pu fabriquer 14 pots en terre, là, la cruche. Et ouais, ça rapportait pas mal, hein, 14 fois 1600. Vous faites le petit calcul, rapidement. Non, je veux pas le fax. Non, le fax, c'était il y a très longtemps, ça. Est-ce que vous avez connu le fax, vous? J'ai connu le fax. Ok, alors. Donc, toutes les cruches là. Voilà, et du coup, l'argile, j'en ai plus, mais bon, ça. C'est pas grave, mais on va en tirer un bon prix, hein. Au moins 25 000 balles. Hein. Voilà. Voilà, 23 380. C'est parfait. Ok, et du coup, on est au-dessus des 2000 balles. Sensationnel. 200 000 balles, pardon. On est à quoi là? Ouais, on est à 244 080. What else? Que demander de plus?
Bon. Eh ben très bien, on a pas mal avancé. Bon, je veux quand même que l'on finisse la cuisine. Le problème, c'est que j'ai pas le meuble adéquat. Et ça m'embête un peu. Donc pour l'instant, je pense qu'on va le laisser encore, encore tel quel. C'est pas ce que je veux faire. Je voudrais juste ranger ceci. Hop. On a encore à parler à un habitant pour compléter la mini-quête contre des Nookmiles. Je pense qu'on va finir sur une île mystère. Sur une île mystère qui va nous donner bien sûr beaucoup de plaisir. J'en ai pas le moindre doute. Alors, où est-ce qu'on peut avoir un habitant? Bébert est-il encore chez lui? Oui. Est-ce que Terrine est chez elle? On a. Non, elle est devant. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de lui parler. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'on allait se revoir aujourd'hui. Alors. Regarde, je suis en plein renforcement de ma touche perso chez moi. C'est quoi le proverbe? Ta maison est un peu ton château ou un truc du genre? Oh mais alors, si j'ai un château, ça fait de moi une princesse, la première princesse star du showbiz. Attends. Oui. Bravo, tu as parlé à des gens, félicitations. Oui, c'est vrai qu'il faut vendre des fruits pour vivre. Voilà. Et péter des arbres. J'en pète déjà un peu trop des arbres. Par exemple là. Oh! Serait-ce? Serait-ce? Oui, c'est ça! De la merde en barquette! Putain, incroyable! Ah mais viens là! Ça fera un peu plus de thunes aussi. Alors malheureusement on n'a pas de... Comment dire? D'autres fruits étrangers qui poussent. Ah ben non, ça a été sorti de chez toi, bébert. Coucou, bébert. Belle journée pour une promenade, non? Alors, raconte-moi des choses. Je voudrais être ami avec tous les habitants de l'île. Alors, je veux tout savoir sur tout le monde. Voyons, qu'est-ce que je pourrais te demander? Tu lis quoi comme genre de BD, Plumeau? Les récits culinaires? Hein? Les histoires fantastiques? De la science-fiction? Autre chose. J'aime bien les histoires un peu fantastiques quand même, hein. Même en BD, c'est sympathique. Moi aussi, les BD fantastiques font partie de mes préférés. Quand j'étais petit, je voulais devenir sorcier. Alors j'ai étudié plein de livres d'invocation de nourriture. En fait, c'était juste des livres de recettes, Plumeau. Oui, mais c'est pas des BD. Mais tu sais ce que c'est une BD, Bébert? Ou t'en as jamais vu de ta vie? J'ai l'impression que tu n'en as jamais vu de ta vie, bébé, et que tu veux te la raconter en faisant genre « Ouais, moi je connais !» Tu sais, c'est des trucs avec plein de textes dedans. Ah non, non, ça c'est un roman, connard. Ouais. Bah ouais, hein. Les animaux ne sont pas tous intelligents. Ça marche même pour nous. Ok. Bon. Vendons nos fruits. Nos fruits, c'est mort. Et après, nous allons tenter une île mystère qui, j'en ai nul doute, sera fantastique. Alors, achète-moi des choses de la vie. Tiens, même cette branche. Oui, 2000 balles, c'est pas beaucoup, mais ouais, c'est déjà ça, hein. Oui, quoi? Le problème c'est qu'on va pas. Ah oui, c'est les fruits, je suis con. Il va falloir que je sac et que je lâche. Ok, voilà les Nookmans. Bon, du coup, si je vais aller sur une île déserte, il va falloir que je lâche les sacs devant moi. Ah, péter des rochers. Alors, ça, c'est ma passion, péter des rochers. On le fait tous les jours. Et à chaque fois, on espère avoir une pierre à clochette, mais en fait, à chaque fois, c'est de la merde. C'est très triste comme vie que je vis. Alors, attention, hein, chers habitants, vous ne piquez pas mes sous. Hein. Je voulais pas les empocher, mais c'est pas grave. Au pire, hein, si on veut pas les empocher, regarde. Hop, 99 000. T'empoches ça. Voilà. Lâchez. Lâchez. Ok, je vais ranger quelques trucs aussi dans ma maison, les outils qu'on n'a pas besoin. Typiquement là-bas, on n'a pas besoin ni de lance-pierre ni d'arrosoir, ça sert à rien.
Alors. Lance-pierre entreposée. Et l'arrosoir, c'était déjà le cas. Ok, ben on a tout ce qu'il nous faut. Alors, juste, je remets les choses en place parce que j'aime bien quand tout est ordonné. La hache, on en a besoin. La canne à pêche, on en a besoin. Ok, c'est bon. Allez, tentons l'île mystère. Ça va être catastrophique. Et personne pique mon pognon, hein. C'est mon argent. Mais je peux pas le placer à la banque vu qu'ils sont fermés. Terrible. Ok. Bonjour. Alors, voyageons. Je passe le texte hein, parce que bon. On sait comment ça marche maintenant. Tiki Mail Snook. Hop. Oui, je veux partir. On se retrouve là-bas directement. Alors, qu'a-t-on de beau ici? Allez, pas des cerises. Hein. J'avais trouvé une île par contre. Oh putain, des cerises, merde. J'avais trouvé une île avec plein de pommes. Du coup, on s'est fait de la tunasse. C'était exceptionnel. Ou on va en profiter pour récupérer du bois. On en a jamais assez de toute façon. Hop. Les Nook Miles pour le bois pété. Vous en faites pas, on tapera sur des pierres, des choses comme ça. Comme ça on refera de l'argile. Ah par contre je prends que le bois, hein. Les cerises c'est bon, j'en ai trop. Ça suffit, hein. Un moment, faut arrêter les conneries. Par contre j'avoue que les noix de coco, j'en ai pas des masses. On en replantera je pense parce que histoire de faire une petite plage ma foi fort intéressante. Est-ce que il y a d'autres, hop, je pense ça aussi, les coquillages. La question c'est est-ce qu'il y a une bouteille à la mer ici? Très bien, j'aimerais bien trouver une île avec du bambou aussi, mais ça j'ai l'impression que c'est beaucoup trop demandé hein. Ah fossile. On ramènera ça un petit peu, évidemment. Les fossiles, ça rapporte beaucoup aussi, hein, quand on en a déjà donné et que... Que voilà, Thibaut n'en veut pas, ça peut rapporter pas mal. Alors, tac. Je vais te choper, sale abeille. Allez, viens là. La coquine. Salope. Eh ben super. Eh ben j'adore ma vie. Alors, sautons ce petit ruisseau. Voilà. Cette petite rivière. Et non, malheureusement, pas de message ici. C'est fort dommage. Hop. On va pas tirer beaucoup d'argent de cette île, mais au moins j'aurai re du bois. Ce qui fait très plaisir. On a quand même pété la rondelle des clochettes. Alors. Cet arbre là est bien placé. Malheureusement je vais pas pouvoir creuser un trou là. Ouais voilà. Alors, attends. Tac, si j'en mets un là c'est bon. Et là aussi. Voilà. Et là on peut la taper en toute sérénité. Donnez-moi des trucs sympathiques. Moi ce que je veux surtout c'est de l'argile, faire des pots en terre et les revendre 1600 balles. C'est surtout ça que j'ai envie de faire. Et j'ai ramassé d'autres. Les mauvaises herbes, non mais ça les mauvaises herbes je m'en fous, plante là, fais un truc. Par contre, je veux juste péter les cailloux à la fin. Bon ça c'est très simple, hein. Vous mangez un fruit, je vous l'avais déjà montré de toute façon. Ça vous donne des super pouvoirs. Je ne veux pas ramasser cette putain de mauvaise herbe, donc s'il te plaît tu la replantes Michel, et t'arrêtes de péter les couilles. D'accord? Moi je suis pas venu ici pour sourire, ok?
Malheureusement, celle-là, je vais pas avoir le choix que de la récupérer. Hop là. Si je veux faire appui. Bon, je la replanterai après, hein, c'est pas grave. Voilà, donnez-moi beaucoup d'argile, s'il vous plaît. Et des pépites en or, parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Je me doute qu'elles vont servir dans des crafts après. Hein. Peut-être pour fabriquer les outils en or. Ah oui, j'allais dire, il a une forme bizarre le poisson là sur le côté, mais c'est parce qu'en fait il y a un grand et un gros qui fusionnent ensemble et ça donne un amalgame des plus intéressants. Oui, je voulais manger des fruits, histoire d'être super fort et de péter... Non. Et de péter les cailloux. Parce que je sais pas si... Si on pète les cailloux, ça nous donne que les cailloux à chaque fois. C'est une très très bonne question que je me pose. Je sais pas si vous savez, vous. Alors, là. Et donc, péton et cailloux. Voilà. Par contre, c'est chiant, des fois, il veut pas. Moi, je pense qu'il donne que des cailloux, mais après, est-ce que c'est tout le temps le cas? C'est une question. On va essayer avec ce caillou là. Moi, je pense que c'est quand même très souvent le cas. Hein. Ouais, caillou. On va choper d'insectes. Voilà. Hop. On a chopé des insectes, c'est ça? Alors, troisième essai. Par contre, c'est putain de mauvaise herbe. Elle me casse les couilles. Ah oui, mais par contre, les plantes pas là parce que c'est là où va y avoir les ressources. Hop. L'appel. Ici. Et. Non, je voulais pas t'y toucher, putain de cul. C'est honteux. Là. Et maintenant. Allez, donnez-moi moult argile, s'il vous plaît. Putain, il va me donner que du fer. Un d'argile, et eh ben super. Quand je veux du fer, on me donne que de l'argile, mais quand je veux que de l'argile, on me donne ça, on veut là le fer. Hein. C'est scandaleux. Tiens, on va rebouffer un fruit. Faut que l'on pète ce caillou. Alors, manger. Je mange les trois directement, comme ça, hein, c'est fait. Ok, maintenant que c'est fait, pétons ce petit caillou. Et donne-moi une pierre. Ok. Et est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Si, il y en a un là-bas. Ça, j'avais pas pris ces fruits-là. Je coupe des souches d'arbres aussi parce que j'aimerais bien avoir le capricorne des agrumes là, que j'avais déjà chopé, mais que j'ai pas donné à Thibou. Et je sais que c'est sur des souches d'arbres. Alors je sais pas si c'est en journée ou en soirée par contre. J'ai pas pensé à le noter ça. Ah bah non, ça donne du fer. Bon par contre j'ai pété le caillou alors que... Et voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on a à ce niveau-là. Ok, bon, on aura raqué un peu. Je vais récolter du bois, de toute façon. Histoire de refaire des stocks. Et puis moi, je vous retrouve un peu plus tard. Ah, regardez, que vois-je au fond? Ne serait-ce pas l'objet de nos convoitises? Je pense que si. On y va tout doucement. Fermé pour cause de sentiments différents. Bravo à vous, vous avez été silencieux, félicitations. Yes. Et plutôt orange ou citron? Ah, je dirais plutôt orange ou pamplemousse. Allez, hommage au citron qui nous regarde. On est numéro 1 chez les citrons. Doucement. Doucement. Voilà, chais. Encore. Ah. Bon, le filet, c'est pas grave.
On en a encore deux à la maison, je veux dire. Bon. Alors, je veux rentrer. Oui. On est parti. On va donner tous les fossiles là, à Thibaut. Ok, nous sommes de retour sur notre île. Donc on a un fossile à donner à Thibaut. Et l'insecte que je lui ai pas donné encore. J'ai des Milesnook? Pour quelle occasion? Ah oui, d'accord, ok. Les insectes et les minerais. Ah, vendre 20 mauvaises herbes. Mener à bien des projets de bricolage. Oh, attendez, attendez. Ça, mener à bien des projets de bricolage. Ça me connaît. On va refaire des cruches là. Surtout qu'on a de quoi en refaire deux. Et comme on est à côté de la maison, je vais profiter pour ranger tout ce qu'il faut dans l'entrepôt. Et après, on part voir Thibaut. Ah, regardez, je vais vous montrer un truc très rigolo. Je vais bouffer toutes ces cerises. Mais le problème, c'est que voilà, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir cette barre de faim là qui s'affiche. Eh bien, regardez, je vais vous montrer un truc révolutionnaire. On peut faire popo. Regardez, attention, attention, je vous montre, hein. Démonstration. Alors, regardez. Hop, je chie les noyaux de cerise. Voilà une bonne chose de faite. Là, regardez. Est-ce qu'on voit des choses? Eh non, malheureusement, on ne voit pas les noyaux de cerise. Elle est allumée la lampe là? Non, elle n'est pas allumée. Ah si! Waouh, c'est juste que ça se remarque pas. Si on fait ça, oui. Ok. Bon, maintenant que ça c'est fait, cette histoire de popo, je suis sûr que vous avez fait grandement rire. Et moi, vous savez, hein. J'adore rire. Ok, allons maintenant voir Thibaut pour lui donner ce qu'il faut. Déjà, c'est une bonne chose. Alors, déjà, faire une donation. Je veux te donner ce capricorne des agrumes. Ah, un capricorne des agrumes. Quelle abomination sur pattes. Là, il me faut pourtant faire mon devoir. Désires-tu en savoir davantage sur ce spécimen? Vas-y. Alors, le capricorne des agrumes est une calamité, notamment pour les arbres. Les adultes possèdent des mâchoires puissantes pour grignoter aisément arbres et plantes. Les larves ne valent guère mieux à creuser goulûment des trous dans d'innocents arbres. Une vile engeance, pour sûr. D'accord, ok, bon, je m'attendais à des trucs pires que ça. Alors, j'ai un fossile, mon cher Thibaut. Le voici, j'espère qu'il va te plaire. Bien, alors, bon, ah, oh, Après examen scrupuleux, j'affirme qu'il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un coup de Diplodocus. Un coup de Diplodocus pour le moins remarquable. Si seulement je pouvais le garder. Hélas, nous disposons déjà d'un exemplaire, je te le rends. Ah merde! Oh! Moi, je suis déçu. Mais mon porte-monnaie, non. Non, rien, merci. Merci Thibaut. Salut mon pote. Bon ben voilà, ça c'est une très très belle chose de faite. Merde, c'était quoi? C'était une cicindelle, non? Je pense que oui. On va vendre tout ça au frère Tanuki. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Voilà, épisode travaux manuels. Alors, achète-moi des choses. Dont ces merveilleuses noix de coco, cette abeille, cette cruche en terre, cette deuxième cruche en terre, des coquillages, le citron pour le pamplemousse et l'orange, le diplo et la menthe religieuse. Alors, ça nous fait du 10 790, ce qui est raisonnable. Bon, moult thunes aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, parce qu'il a mené à bien des projets de bricolage. Il y avait vendre des objets de première nécessité. Il mené à bien des projets de bricolage. Ah, mais c'est parce que j'en ai fait que deux. That's why. Ok, planter des arbres fruitiers. Bon, ça, on verra ça. Le truc des Nookmails, ça c'est un peu chiant parce que du coup. Ah, attends, j'ai eu un succès, entre guillemets. Les fruits de la mer.
Donc Inc. entend favoriser le commerce de coquillages en récompensant les vendeurs avec des miles. Alors bonne collecte à toi et n'hésite pas à faire une pierre deux coups en visant en priorité les plus chers. Je sais pas lesquels sont les plus chers mais bon. Prère Nacré. Très bien. Bon, bah, écoutez, c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, s'il y a d'autres choses qui se rajoutent entre-temps, je vous les montrerai. Mais d'ici là, voilà, on s'arrête là. Prenez soin de vous et à plus tard.